Monsieur le Président, Madame, Messieurs du Tribunal, l'émotion est violente. Pourtant, pénaliste aguerri, c'est tremblant que je monte à la barre. Au crépuscule d'un réquisitoire à la fois terrible et profond, j'ai du mal, je vous le confesse, à garder mes moyens. Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. Hashtag abusé et amusant. Ah, l'ingéniosité du genre humain, quand il s'agit de faire souffrir son prochain, peut être surprenante d'atrocité. C'est tout à fait le propos ce soir. Atterré. Je m'attelle à contraster un tableau dont l'infernale horreur fait vaciller mes mots. Ignorant l'espace morifié de mon âme, je dois lever le voile et découvrir ma fin. Je risque ce faisant de violer, si c'est encore possible à ce stade, les règles de la bienséance. Sous les applaudissements, devant les caméras, l'innommable entre en séance. L'œuvre d'un barbare sadique à faire pâlir les monstres antiques. Le pinacle du tortionnaire, vieux rêve de Proculte. Le voici, voyons. Elle lui a jeté du thé. Monsieur le Président, du thé sur son grandeur ridicule, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Mon Dieu, mais faites cesser cette mascarade qui n'a pas plus de sens que Maud n'a de sang sur ses mains qui massent chaque jour les plaies de son amant. Ouvrez alors les yeux et rendez sa dignité à ce tribunal. Sommes-nous destinés à devenir ce simple objet de télé-réalité? Déjà les fans se pressent aux portes des tribunaux encombrés. Déjà les médias se gaussent de cette affaire et de ses absurdités. Si Paris Match, en révélant ses commérages, n'a fait que son métier, la justice a bien des causes plus nobles à relayer. Oh, la plastique de ce monsieur Thomas S. attire. Mais cette affaire, madame, messieurs du tribunal, n'est pas celle d'une éphémère beauté qu'on gagne, qu'on perd et qui ne vaut rien. C'est celle de l'amour bafoué, qui blesse, qui saigne, mais qui tient. L'amour trahi, c'est l'amour sali. L'amour prêt à tout. L'amour qui fait mal pour faire réagir. L'amour qui dérape pour ne plus subir. Seules ces errances d'amour sont dignes du pardon. L'erreur d'un amour qui souffre, frisson de l'âme qui peine et porte l'acte au chapitre de la haine. Il ne s'agit pas là seulement de rhétorique. Quand trop de souffrance, trop d'incompréhension balise votre conscience et emporte vos émotions, témoin impuissant d'une ultime provocation. Le poing se serre. Les tendons craquent. La sueur perle. Une première larme. Une dernière pensée qui se noie. Une lente descente. Une agonie. Le Golgotha des cœurs trahis. Une larme pour la seconde fois. J'ai soif d'amour, regarde-moi! Je t'aime. Dieu que j'ai mal. Il ne sait pas ce qu'il fait. Une larme, la dernière, c'est fini. J'ai perdu. Dans un grand cri, je rends l'esprit. Du thé et de l'eau bouillante d'amour, c'est tout. Ce geste fou, d'amour, de rage, c'est un instant. Un coupable instant qui aussitôt s'accuse. Quand l'esprit rattrape la main, il est tard, mais toujours temps de sauver l'objet de ses passions. Maud se bat, appelle les secours pour limiter les dégâts. L'hôpital, vite! Grâce à elle, la blessure est bénie. Beau à ses yeux, il ne l'a jamais plus été. Rétabli, Thomas peut même reprendre le cours de sa vie. La faute est avouée, réparée et même parfaitement pardonnée. Touché par l'attitude bienveillante de sa compagne, tout au long de sa convalescence, Thomas comprend et renonce évidemment à toute poursuite insensée. Et ce n'est pas pour une virilité, notion dont l'emploi par madame le procureur me fait songer au sexisme qu'elle combat pourtant à demi-mot. Mais son préjudice, la fortune,
Et la notoriété de sa compagne le compense largement depuis bien des années. Le geste, il le sait maintenant, était inévitable autant qu'il était involontaire. De la force morale, Maud en a. Mais une goutte, puis une autre, puis une autre. Dans le vase, le niveau monte, trop et dévore. Sa part de responsabilité, il la comprend et il l'assume. Ainsi, le couple grandit-il. Grandit, se renforce et aujourd'hui, ses mains dans la main, qu'ils sont entrés au tribunal. Car oui, c'est bien là que cette histoire devait finir. Considérant l'impérieuse nécessité qu'avait là d'intervenir le ministère public. Attention aux apparences, ce ne sera pas dans la finesse. Non, monsieur le procureur, ce n'est pas qu'une question de caution intellectuelle ou de télé-réalité. Apparemment, nos tribunaux ne seront jamais trop pleins de monde et vides de sens. Les délais, reports et autres réjouissances jamais assez interminables. Ah si madame Lagarde nous entendait. Mais le ministère public, lui, s'en désintéresse. Trop occupé qu'il est à jouer au roi Midas de l'infraction. Tout ce qu'il touche devient un crime odieux. Chargé de punir le criminel, ils sont quoi plutôt à le créer de toutes pièces. Que cherche-t-il alors? À s'en faire une réputation? Il est vrai que l'affaire attire du monde. Mais cette tendance destructrice à la surqualification, c'est autant un danger qu'une aberration. Alors dans cette optique, on fait d'une tasse de thé l'instrument sadique de tortures acharnées. Sans parler de la peine, la qualification de torture ou d'acte de barbarie apparaît évidemment bien disproportionnée. Pour dissiper les derniers brouillards du doute qui pourraient subsister, je rappellerai simplement que pour recevoir application l'article 222.1 du Code pénal, tu poses la commission d'actes d'une gravité exceptionnelle et la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. Ah, le débat juridique s'annonce âpre. Enfin, peut-être pas. Ce sont là ces pirouettes et toutes ces contorsions juridiques ou rhétoriques, elles perdent le débat. L'étude de l'élément moral est déjà des plus flagrantes. L'accès de rage, de frustration incontrôlable que je viens d'exposer est par nature parfaitement inconciliable avec la froide volonté de nier la dignité humaine de la victime. La qualification des faits est alors erronée. Et la relaxe de ma cliente, plus qu'appropriée. Mais plus que d'article, le ministère public se trompe de combat. Pour enfermer Maud et la séparer de Thomas, le procureur a peut-être ses raisons, que la raison semble ignorer. Mais cette histoire, c'est l'histoire de centaines de femmes et d'hommes, prenons l'égalité. Torturés, abîmés, moralement par des comportements méprisants à la limite de l'indécence. Pour Maud et Thomas, cela finit bien. Pour bien d'autres, cela va beaucoup plus loin. C'est l'histoire d'une femme qui croit en l'amour à ne plus croire en elle, qui ne veut plus que pour celui qui la maltraite et qui chaque soir lui présente le bac de ses conquêtes. Dans l'espoir d'une dernière danse, elle lui passe tout. Ses caprices, ses lubies, ses fantasmes, ses errances. Sa vie, sa dépendance, émotionnellement, physiquement, intellectuellement enlacée, enchaînée au prince de ses pensées. Combien de Thomas profitent aujourd'hui de ces dépendances maladives, moquant, maltraitant et poussant dans leur dernier retranchement ces esprits éplorés et trahis? C'est à moi alors peut-être de rappeler les valeurs que notre société défend. La dignité humaine, c'est ainsi qu'on l'a mis. Ainsi que l'égalité n'est plus qu'une utopie. Ce qu'on peut accepter à ses limites. Abandonné de tous, on ne croit plus qu'en soi pour un jour se sortir du chemin du martyr. L'infraction, mesdames et messieurs du tribunal, c'est la souffrance qui ose. Prévenez la souffrance, vous préviendrez le crime. Prévenez l'irrespect, prévenez le mépris. Défendez le délaissé, défendez l'ignoré. Soyez le porte-parole d'une vraie fraternité. La seule victime ce soir, vous la connaissez. On vous parle de souffrance aiguë, on vous parle de beauté perdue. Mais désolé l'amour dont on profite. Désolé la confiance accordée sans mérite. Dans cette affaire, qui manipule, qui ment, qui trompe, qui fait souffrir? Assez de punitions aveugles. Ce qui ressort de ces ardentes accusations, ce n'est rien d'autre qu'une étrange passion pour la réclusion criminelle. Quel message envoie la justice en se ridiculisant ainsi? Quel message envoie-t-on aux époux violents, aux hommes indécents, à ceux qui humilient, qui rabaissent, qui méprisent, qui dédaignent, qui ignorent et qui provoquent?
à ceux qui gamins n'ont plus que le nom et qui du respect ont fait une option. Ah, c'est bien le cœur chargé d'émotion que j'entends le discours de Madame le procureur. J'y lis la justice devenir un jeu, sanctionné, enfermé, sans plus rien considérer. J'y vois l'excès et la colère, la puissance qui dégénère. J'y ressens la peur et l'émotion. J'y ressens l'intérêt privé, j'y ressens la passion, j'y ressens le viscéral désir d'encore et encore punir. Mais est-ce cela une victoire? La justice sera parfaite. Lorsqu'elle n'aura plus besoin de punir personne. Et non lorsqu'elle n'aura plus personne à punir.